Bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc celle-ci sera le haul pour la baby shower que je vais organiser dimanche. Donc vous, cette vidéo, vous la voyez lundi. Vous verrez que mes petits achats. Et bien sûr, ben, mercredi, vous aurez le résultat. Hein, je vous laisse encore un peu de suspense. N'hésitez pas à jouer en commentaire pour dire vos pronostics et vous aurez la réponse mercredi. Donc voilà, donc j'ai fait mes achats à Action. Après, j'avais déjà des décos des anciens anniversaires que je vais me resservir. Après, j'ai commandé sur Amazon et j'ai pris un truc à la Farfouille et deux autres trucs qui sont pareils mais à Stokomani. Donc voilà. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Donc pour commencer, sur Amazon, j'ai reçu dans un colis. J'ai commandé un lot, alors je vais tout vous détailler, un lot pour la décoration. Alors il y a un lot de 16, donc ça fait 8 roses et 8 bleus. Donc vu que nous on est 13, moi j'ai pris des pailles qui me restaient des anciens, ceux-là je les mettrai de côté. Voilà, après un lot de verre boy or girl, voilà. Donc là-dedans il y en a 16. Quantité pour assiette, serviette et paille, c'est 16. Voilà, donc les serviettes assorties au verre et les assiettes également. Franchement j'ai bien aimé, elles étaient jolies. Alors, pour la petite anecdote, j'avais préparé mon panier Shane. Mais vu que ça m'a pris sur un coup de tête de faire la baby shower à cette date-là, j'ai pas eu le temps de commander sur Shane parce que ça allait arriver trop tard. Après, j'ai une guirlande boy avec un cœur bleu et girl avec un cœur rose. Donc voilà, ça c'était dans le lot. Et après, on a une pochette comme ça où dedans, il y a donc l'écharpe. Comme celle-ci, Mommy to be. Voilà. Après, il y a le gros ballon pour mettre les confettis dedans. Vous avez aussi deux petits sachets de confettis, rose et bleu. Franchement, c'est trop. Pour le prix, c'est vraiment pas excessif. Après, vous avez le rouleau pour mettre les ballons pour faire l'arche. Donc ça, moi, je suis habituée. Après, vous avez deux ballons à gonfler avec la paille, comme ça. Voilà. Bien sûr, pour la vidéo, vous allez avoir la vidéo de toute la préparation. Vous l'aurez regroupée pour mercredi. Voilà, après vous avez les petites pastilles de colle. Après vous avez un ruban rose. Et après vous avez une quantité énorme de ballons. Voilà, donc vous en avez des roses comme ça. Des roses comme ça. C'est tout, après vous avez des bleus comme ça. Des bleus comme ça. Et là sinon vous en avez avec des paillettes dedans. Ah franchement ça chahait pas, c'est trop bien. Donc vous en avez des bleus et avec des confettis roses. Voilà, donc en barre d'infos, je vous mettrai le lien de... Ah, et vous avez aussi un ruban bleu. Voilà, je vous mettrai le lien du lot que j'ai commandé. Franchement, il n'était pas excessif, il était à 25 euros avec tout ce que je viens de vous montrer. Donc voilà. Ensuite, à part, j'ai commandé des autocollants pour faire team boy et team girl. Donc ça, c'est un lot de 100. Donc en fait, il y en a 50 et 50. Voilà. Ça, je vous mettrai les prix. Mais ça, de mémoire, c'était à 6 euros quelque chose, je crois. Donc de toute façon, je vous mettrai les prix. Et après, j'ai pris un lot de 30 bracelets. Donc 15 team fille et 15 team garçon. Voilà, comme ça, chacun choisira sa team. Et ça, chacun repartira en cadeau avec. Voilà, et ça, je vais vous expliquer ce que je vais faire avec. Donc là, pour Amazon, c'est fini. Maintenant, on passe à Action. J'ai pris un lot de 3 tableaux.
Comme ça, là, je vais écrire Team Fille, tout le monde collera son autocollant avec son prénom dessus. Et sur un autre, Team Garçon, et tout le monde collera son autocollant et son prénom dessus. Comme ça, nous, on le gardera en souvenir. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des trucs. Alors, saveur crème oignon. Voilà. Ensuite, j'ai pris un autre paquet de trucs saveur paprika et un original. Voilà. On ne va pas plus bas. Après, j'ai pris un lot de cacahuètes. Voilà. Ensuite, pour la décoration et pour la petit truc rigolo, j'ai trouvé des toilettes. Voilà, rose et bleu. Comme ça, ça sera en décoration sur la table. Hop. Ensuite, j'ai repris un paquet de pailles roses parce que moi, j'avais déjà des bleus et j'en avais plus des roses. Après, j'ai pris des pop-corn sucrés. Comme ça, je vais leur faire les petits sachets et soit chacun mangera ce qu'il veut ou alors il repartira avec. Voilà. Et je vous incrusterai là le résultat de ce que ça va faire. Après, j'ai pris un rideau rose parce que moi, j'avais déjà des bleus. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un bébé rose parce que ben, moi, avec ces silos, j'ai déjà du bleu. Et pour mettre sur la table, ça fera toujours joli. Bon, là, il manque le capuchon parce qu'il est sur ma grande table. Cécile a crusté pour lui. Donc, du coup, voilà. Ensuite, j'ai pris un lot de sifflets parce que ça fait des bonbons bleus et roses. Parce que c'est très compliqué pour trouver en magasin. Et sachant que, on va dire, ça m'a pris la semaine dernière, vendredi dernier pour cette semaine. Donc, au final, c'est très rapide. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de jours. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai pris un lot de sea cake pour aller plus vite. Nature, comme ça, moi je mettrai sur. Ah non, c'est pas 6, c'est 8. 2, 4, 6, 8. Ouais, c'est ça. 4 roses, 4 bleus. Et là, j'ai pris les mêmes au chocolat. 4 roses et 4 bleus, comme ça, ça sera un mix. Et après, j'ai pris la boîte de gâteaux, comme ça. Voilà. Et ensuite. J'ai acheté un lot de cartes. Parce que derrière, c'est écrit ce que c'est. Alors, je vais vous montrer. Un lot de cartes à gratter et qui dit si c'est un garçon ou une fille. Ou alors pour annoncer votre grossesse. Voilà, je vous montre ça comme ça. Voilà, donc ça, j'en avais acheté un lot à la Farfouille qui était au prix de 1,99€. Et je suis allée chercher le reste à Stockomanie parce qu'il n'y en avait pas assez. Au prix de 1€. Voilà. Et dedans, il y en a 6. Et vous avez l'enveloppe et tout. Franchement, c'est. Et comme ça, la personne peut repartir avec et ça lui fait un souvenir. Voilà. Et après, à Leclerc, j'avais trouvé des gâteaux comme ça, des gaufrettes en anti-gaspi à 81 centimes. Donc, du coup, j'en ai profité pour compléter le buffet. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te laisse liker, commenter, partager. N'oublie pas de t'abonner. Et surtout, n'oubliez pas de participer au pronostic dans les commentaires. Ça me fait plaisir de discuter avec vous. Et bientôt, vous aurez le résultat. Et comme ça, après, on pourra enchaîner les vidéos de ce que j'achète pour futur bébé. Et dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo de, pas de comparaison, mais d'expliquer mon parcours de grossesse entre mes trois premiers garçons et celle-ci de grossesse. Parce qu'elle est, franchement, elle est différente. Sachant que j'ai eu 3 césariennes, donc là c'est une 4e césarienne obligatoire. Donc si vous voulez qu'on parle de césarienne, c'est avec grand plaisir parce que je ne connais pas la voie basse, je ne connais que la césarienne. Donc si vous avez besoin de conseils ou que je vous explique mon expérience, c'est avec grand plaisir parce que j'en ai eu. Là pour l'instant j'en ai 3 au compteur et franchement entre les 3, ben, je préfère ma dernière. Voilà, après, ben, voilà, si vous avez. Après on pourra faire une vidéo, je prépare ma valise de maternité si vous voulez. Et voilà. Et après, je peux vous faire la liste des indispensables, si vous voulez aussi, pour les nouvelles mamans. Parce que franchement, on vous dit certains trucs, qu'il faut certains trucs dans une maison. Et moi, au fil des années, ben, je l'ai eu pour mon premier et mes deux autres, ils ne les ont pas eu. Donc voilà. Et franchement, là, pour la 3e grossesse, ben, j'ai déjà pas mal de matériel. Il faut que je rachète quelques trucs. Mais je ne vais pas aller dans l'abus non plus. Voilà. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on parle de grossesse, de césarienne ou de futur bébé. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.